Oui, bonjour à tous. Donc, David Gasparotto, je suis le directeur direction de la documentation à AgroParisTech. Et donc, je suis en charge avec Madame Legras des contextes liés à la science ouverte pour l'établissement. Et donc, l'idée en préambule de cette intervention intitulée Les nouveaux modes de publication et de diffusion des résultats de la recherche, c'est de donner un contexte institutionnel, interinstitutionnel, et puis de donner les outils liés à ces enjeux de science ouverte, tout cela en une dizaine de minutes. Donc la science ouverte, pour qui, pourquoi? Donc c'est 9 petites diapositives, et puis si vous voulez aller sur un support plus complet, ben, vous aurez le lien en fin de présentation. J'imagine que les documents seront mis à votre disposition Sur demande. sur demande. Ouais. Donc que ce soit la Commission européenne, ou Foster, qui est le programme européen de formation à la science ouverte. Donc chacun a décliné une définition de la science ouverte. Puis en 2016, le CNRS. Et enfin, en 2021, vous avez le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, je pense que c'était pour lui, donc qui a ouvert le plan national pour la science ouverte, et dont de nombreux appels d'offres, appels à projets donc sont nés. L'UNESCO aussi donne sa propre définition de la science ouverte, hein. C'est bien l'idée d'un concept inclusif. Et donc, si vous regardez tout cet écosystème, donc c'est Foster qui met cette diapositive, ce schéma en ligne, hein. On voit bien que c'est pas uniquement lié aux enjeux de publication, mais c'est beaucoup plus global. Et l'idée, c'est d'aller vers tous les publics, hein. Vous voyez bien, sciences et sociétés, citizen science. Et donc, on a ces enjeux où on a les différents cercles concentriques, les communautés scientifiques qui vont aller vers les professionnels et puis dans un plus grand contexte, la société civile. Alors, les outils qui sont aujourd'hui mis à disposition des chercheurs de la recherche, donc vous avez une loi dont des articles est promulguée, une loi de 2013, hein, loi pour une république numérique. Donc l'idée, si vous lisez les choses, c'est que la valorisation des résultats de la recherche est au service de la société. Elle s'appuie sur l'innovation et le transfert technologique, qui a un enjeu de partage et de diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité au format libre d'accès. Et puis, en dernier point, c'est l'organisation de l'accès libre. Alors là, pour le coup, jusqu'aux données scientifiques. En 2021, un nouveau décret donc qui donne l'article 2, donc c'est l'idée de promouvoir la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes et des protocoles. Donc on en revient toujours à ce fameux schéma où c'est pas uniquement la publication en elle-même. Et puis donc c'est bien l'idée d'ouvrir les choses via des plans de gestion de données pour permettre la conservation, la communication et la réutilisation des données. Alors les soutiens politiques, ils sont assez forts, assez nombreux. Alors vous aviez Horizon 2020, donc peut-être que certains d'entre vous sont encore dans ce type de projet. Donc c'est des choses qui sont déclinées au niveau des politiques nationales, des agences de financement public, mais au niveau aussi des politiques institutionnelles. Sachant que l'ensemble des instituts constitutifs du Labex Arbre ont toutes des politiques convergentes. Chaque établissement a sa politique science ouverte, mais voilà, en gros, ça veut dire la même chose, quoi. Et puis, vous avez certains organismes, donc type coalition, avec le plan S qui demande un accès ouvert, immédiat et sans cession de droit, que ce soit des données de la recherche ou des publications. Alors, si en un mot, à chacun d'entre vous, je pense qu'on peut faire le tour d'horizon, vous aviez à vous projeter sur, en un terme, je définis selon mes besoins, donc ce que les enjeux de la diffusion de vos résultats et de vos publications. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, en un mot? La transparence.
on a la transparence. Vous pouvez peut-être dire des choses dans le chat aussi, éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, qu'on puisse avoir les éléments. L'évidence, hein, la communication, tout simplement, hein. La visibilité, quoi. Médiation, carrément. Ouais. La discussion aussi. L'impact. L'impact des résultats de la recherche. Ok. Jean-Luc Dupouet dit gratuité. La persistance dans les temps. C'est parce qu'après, que le disponible est stable et disponible. La durabilité, quoi, en fait. Ok. Alors donc dans ce cas-là, Erwin, je vais te laisser ce challenge de répondre via ces différents enjeux, hein, sur ces, si ces nouveaux modes de publication que tu vas nous présenter donc vont permettre de répondre à tous ces enjeux. Il y a un mot qu'on n'avait pas cité, qui est bien exprimé tout de suite, qui fait la différence entre la science et le reste de l'information, qui est la validation pour les tests. C'est la validation, c'est la validation et la confrontation des regards. Et là, le fait qu'une information scientifique, c'est pas tout à fait une information banale. Et actuellement, un des enjeux qu'on a quand même dans la diffusion de la science, c'est la banalisation de l'information, qui fait que beaucoup d'informations sont reçues de la même façon par le public ou même par les chercheurs, et qu'on n'a pas toujours qu'il y a vraiment un vrai objectif, un objectif fondamental, donc de reproductibilité, de transparence, ça c'est un point fondamental. Mais aussi de crédibilité de ce qui est scientifique, de ce qui est stimulé par. Et on l'a beaucoup vu dans les débats autour du Covid, on l'a beaucoup vu, mais dans les débats autour de la forêt, hein, il y a des débats publics extrêmement vifs, qui sont parfaitement légitimes, mais quand on essaie d'aborder ces débats publics en tant que scientifique, il faut qu'on soit très clair sur la confiance qu'on donne aux résultats et à nos affirmations, donc il faut que ce soit passé, là, derrière, il y a une garantie de reproductibilité, il y a une garantie de transparence, il y a une garantie de non-conflit d'intérêt. Il y a toute une série de valeurs qui sont importantes. Donc, j'ai commencé mon exposé pratiquement. Écoute, c'est très bien. J'en profite simplement, avant de te laisser la parole, d'indiquer à tous les doctorants et encadrants de docteurs, que ce soit l'Université de Lorraine, INRAE ou AgroParisTech, il y a des cycles de formation à la science ouverte qui sont organisés, qui sont validés par les écoles doctorales. Et donc, voilà, chacun d'entre vous sont les bienvenus dans ces cycles de formation dont les programmes vous seront diffusés prochainement. Merci David pour cette introduction science ouverte qui me permettra de ne pas le faire en détail. Donc, ce qui est important, c'est que quelque chose qu'a dit David, en dehors de la petite discussion qu'on a eue sur les mots-clés qui nous viennent à l'esprit, qui étaient tous pertinents, mais il faut pas oublier la validation. C'est aussi les publics auxquels on s'adresse. Et David a bien insisté sur le fait que l'ouverture de la science, c'est la prise en compte de tous les publics qui peuvent être intéressés, donc des publics de scientifiques, les publics de professionnels qui veulent appliquer les résultats de la science pour faire de l'innovation, et le grand public qui intervient de plus en plus dans les débats démocratiques sur les choix de société. Donc moi, dans mon exposé, je vais rester à la première catégorie, c'est-à-dire la catégorie des chercheurs. C'est-à-dire comment les chercheurs communiquent entre eux les résultats, en sachant que ces communications peuvent toucher le grand public ou les professionnels, hein, c'est pas exclu, mais c'est pas le cœur de l'intervention que je vais faire. Donc, je vais insister sur quelques nouveaux modes de publication. Vous verrez qu'il y a des choses nouvelles et d'autres qui ne sont pas. Et puis, je voudrais donner effectivement quelques enjeux spécifiquement pour les chercheurs. Plutôt que, donc je parlerai pas de médiation scientifique, je parlerai pas de la science pour le grand public. Donc je suis moi maintenant retraité chargé de mission dans le UMR Silva, donc Université de Lorraine AgroParisTech INRAE, et puis dans le cadre du LabEx Arbre, qui est quand même quelque chose qui a été un événement un peu structurant ou un ensemble d'événements structurants pour la communauté des gens qui travaillent autour des forêts. Donc je vous donnerai surtout des exemples forestiers. Donc simplement pour préciser d'où je parle, hein, de quel est le point de vue que je vais prendre le point de vue de mon expérience personnelle en tant qu'éditeur d'un journal scientifique depuis pas mal de temps, en tant qu'animateur de la communauté de pairs en forêt et sciences du bois,
Et puis, en tant que tout ce que je fais comme encore comme co-animateur d'un groupe de travail à INRAE sur la transition et la valorisation des revues INRAE, sachant qu'INRAE publie 7 revues de recherche internationales, mais publie aussi 7 revues de soutien à l'innovation et de transfert de connaissances et 2 revues de médiation scientifique. Il y en a une qui commence assez récemment. Donc ça donne un peu la gamme des choses. Et aujourd'hui, je resterai sur les revues de recherche internationales. Je suis membre de différents groupes de travail, y compris à l'Université de Rennes, ici, et puis au niveau national INRAE. Donc, quel est le contexte actuel? Donc, on a effectivement ce contexte de sciences ouvertes, mais il faut quand même se rappeler que la communication scientifique est aussi vieille que la science. La révolution scientifique du XVIIe siècle a commencé à partir du moment où les scientifiques de l'époque étaient souvent des amateurs, échangeaient les informations. Alors, ils échangeaient les informations à leurs imprimants, en les envoyant à cheval ou à diligence à travers toute l'Europe, et puis ils étaient 4 ou 5 intéressés par un sujet. Donc la communication n'était pas très compliquée pour eux. Enfin, si, c'était long, mais c'était pas très compliqué. Et c'est l'imprimé qui, à l'époque, était la partie la plus importante de cette communication. Donc la grosse modification, et c'est ce qui me fait dire que la science ouverte n'est pas une révolution, c'est à peine une évolution du point de vue de la procédure propre de la recherche de la science. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est les conditions dans lesquelles se fait cette communication. Et puis c'est aussi le fait que la base de personnes avec lesquelles on communique s'est énormément étendue. On a plus de 3 ou 4 scientifiques sur chaque sujet, mais sans doute des centaines et des milliers répartis à travers le monde. Et donc la grosse transition, ce qui a vraiment radicalement changé la façon de communiquer avec la science, ben c'est le passage de ce qu'on appelait l'ère du temps vert, c'était l'imprimé, qui était le véhicule le plus important, maintenant vers le numérique. Alors ça change, on vous dirait, bon, c'est un changement de nature, c'est au lieu de l'avoir sur papier, on l'a sur écran. C'est pas vrai. C'est un changement profond dans la façon d'aborder la question de l'information, dans l'accès à l'information et dans l'importance de l'information. Et je pense qu'on n'a pas encore complètement fait le tour de l'impact de ce passage au numérique un peu systématique dans la façon d'aborder la connaissance. Actuellement, pour faire des bibliothèques en 3 clics, on a à peu près toute la production qui est possible. Il y a, quand j'ai commencé la science, on avait la photocopieuse et on photocopiait un article, et puis on avait quand même 10 articles sur le sujet. On était vachement contents, et puis surtout s'il y avait un Américain, et puis un Européen, et puis quelqu'un d'autre. Maintenant, on a toute l'information sur le bout des doigts et on a une information pléthorique et qui n'est pas toujours structurée. Donc, le rôle essentiel pour moi de ceux qui sont impliqués dans l'édition scientifique, c'est bien de donner une structure et un sens au contenu. De montrer ce qui relève de la science dans le sens que ça a été débattu, analysé de manière critique et validé d'une certaine façon par une communauté qui s'engage, par rapport à ce qui est de l'opinion plus récente. Et actuellement, la différence entre les deux est rendue floue, justement parce que le numérique permet une communication de plus en plus rapide et de plus en plus généraliste. Alors la science ouverte, moi je vois derrière la science ouverte l'émergence d'une exigence. Nos établissements, ça fait la vie, nos établissements demandent à ce qu'on aille vers des principes de science ouverte. Ce qui laisserait entendre que la science était fermée avant ça, ce qui n'est pas vrai du tout. Elle était tout aussi ouverte, mais elle ne disposait pas des mêmes outils pour assurer cette ouverture. C'est donc cette pérennité d'un principe d'ouverture de la science. Bon, il y a de la science non ouverte, c'est l'appui à l'innovation, et là, on a un contrat avec une boîte qui veut faire de l'application, mais clairement pas dans ce système de science ouverte. Par contre, ce qui est toujours dit, clairement, c'est que ce qui est financé sur des fonds publics, ce qui est financé sur fonds publics doit être mis à disposition le plus large possible et doit répondre aux critères de science ouverte. C'est ce que dit l'Europe depuis déjà pas mal de temps. Envisager une science fermée, ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Et puis, bon, un autre point important de cette affaire de la communication scientifique, c'est que c'est quand même devenu un business. C'était la question un peu de Jean-Luc là, autour de la gratuité. Donc, on est face à un coût croissant des abonnements et des prestations par des maisons d'édition privées. Et puis, on est face à un nombre plutôt restreint d'acteurs, une grosse maison d'édition, j'ai mis les trois plus grosses au niveau mondial,
même si elles sont challengées en ce moment par des, vous verrez, par des éditions qui montent très vite. Donc, il y a aussi des enjeux de modèle économique de la diffusion de cette, de ces choses. À l'époque historique, c'était l'imprimeur qui avait un rôle important, qui imprimait, qui multipliait, qui faisait diffuser, qui envoyait. Maintenant, c'est effectivement des grosses entreprises qui en sont en général privées et qui ont un rôle important dans la production des supports, dans leur diffusion et qui veulent nous fournir des services pour cette diffusion. Et puis, l'évolution, c'est très clairement, il faut qu'on favorise l'accès libre au contenu. Donc ça, c'est, là-dessus, il n'y a pas de débat. Il y a des outils pour le faire et je vais un peu vous montrer quelques exemples d'outils. Ça, c'est un peu ça le cœur de mon intervention. On est de plus en plus dans l'idée que de la gratuité, mais la gratuité, ça veut dire que les coûts sont pris en charge par le public. En général, c'est ça la notion de gratuité. Et de la même façon que la recherche est souvent financée sur fonds publics, la diffusion de la recherche devrait être financée sur fonds publics et ne pas faire l'objet d'une diffusion payante en plus. Donc de plus en plus, on demande le changement de paradigme, c'est dire on ne paye plus pour lire, mais on paye pour couvrir les frais de diffusion et de communication. Il y a toujours des frais qui sont plus ou moins élevés. On se chamaille beaucoup pour savoir quel est le niveau raisonnable de frais qu'on peut mettre dans la publication, mais il y en a toujours. Ce qui a changé, c'est qu'on demande de plus en plus que ces frais soient pris en charge en amont, c'est-à-dire que la publication soit le moment ultime d'un projet de recherche ou d'une activité de recherche, et non plus que ce soit les gens qui veulent lire et récupérer l'information qui payent pour. Donc ça, c'est un changement aussi de paradigme très fort. Voilà, ça c'est. Et puis le dernier point, c'est que, mais ça c'est très très classique encore, hein, c'est que la publication est toujours un enjeu d'évaluation d'activité individuelle, d'activité des collectifs, et que autour de la publication, il y a toujours cette notion, il faut publier pour exister, il faut publier des publications dans des revues de recherche, c'est-à-dire plutôt des publications de recherche, et que là aussi, on ne peut pas envisager d'aller vers la science ouverte si on ne modifie pas les critères d'évaluation utilisés. Donc on a des bases, hein, on peut faire ça. En 2012, la déclaration d'Ora, que Ura a signée 8 ans après, qui dit clairement qu'on n'utilise plus l'impact facteur du journaux pour évaluer la qualité d'un chercheur. C'est pas ça qui compte, c'est la qualité de ce qu'il a produit. Donc, c'est ce genre d'évaluation, ce genre d'évolution dans l'évaluation et enfin de se produire dans la plupart des établissements. Mais c'est un enjeu important et on associe encore trop souvent publication académique et évaluation, alors que la production scientifique n'est pas que de la publication académique. Et on associe encore trop, il faut publier beaucoup pour être visible et donc pour l'évaluation. Et bien ça, le message n'est plus tout à fait le même. Et puis, dernier point, on oublie dans l'évaluation, on évalue la production, mais on évalue beaucoup moins les contributions du type participer au débat scientifique et à l'évaluation par les pairs, parce que ça, c'est considéré comme pas de la production primaire, mais comme quelque chose, une activité presque secondaire, alors qu'elle est absolument centrale dans ce que doit faire le chercheur. Il n'y a pas de science sans débat scientifique, donc il faut organiser le débat scientifique et il faut y participer. Voilà, c'est simplement pour vous rappeler que tout ça, ça a commencé au 17e siècle, hein, mais c'est un des premiers journaux scientifiques, mais ça existe toujours, hein, The Philosophical Transactions of the Royal Society, toujours leur journal, ils continuent à publier. Donc voilà, vous voyez bien, à l'époque, l'impression, c'était long, il fallait composer les machins, on mangeait du plomb pour composer les articles et il fallait les diffuser. Donc ce qui a beaucoup changé, c'est le mode de diffusion, mais qui, mode de diffusion, implique aussi façon d'aborder les questions de contenu. Je ne vais pas revenir sur les différentes références pour la science ouverte, on les trouve partout. Non. Mais ce qui est derrière, l'idée de la science ouverte, c'est quand même de réinsister sur le fait que la science est un bien commun, qui doit être partagé le plus largement possible. Ça a été dit à l'époque par Frédéric Vidal, depuis il y a eu plusieurs ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche avec un peu différent. C'est toujours le cas, vous pouvez aller voir sur ouvrirlascience.fr, les plans de soutien à la science ouverte sont présents, et il y a des déclarations un peu partout. Il y a consensus au niveau institutionnel autour de l'ouverture. Alors, publier ouvert, c'est quoi les enjeux? Donc, pour
Alors, après, on verra, il y a deux enjeux. C'est qu'est-ce qu'on publie? C'est quoi une publication? Et donc, il y a eu, je pense, dans les dernières années, un glissement en publication. C'est purement une publication académique dans un journal de recherche. Donc, il y a plein d'autres produits de recherche qui doivent être mis à disposition, qui peuvent être mis à disposition. Donc, les enjeux de la publication, d'une façon générale, c'est d'abord de faciliter l'accès aux résultats de la recherche. C'est bien autour de l'accès ouvert que ça se produit. Mais c'est aussi de garantir la validité et la qualité des résultats avec des procédures sur lesquelles on peut débattre. Le peer review est fortement critiqué parce qu'il y a plein de biais. Mais l'absence de peer review serait encore plus critiquable que le biais actuel. Le troisième point, c'est ce que vous aviez dit aussi, c'est l'impact des travaux de recherche. Donc l'ouverture permet d'augmenter l'impact des travaux de recherche parce qu'il n'y a plus de limitation à l'accès aux résultats. Jusqu'à présent, l'accès aux résultats était plus ou moins limité par les coûts d'abonnement qu'on charge dans les institutions. Ben, si on est en ouverture, c'est l'accès lui-même gratuit. Ce qui n'est pas gratuit, ben, il faut trouver des sous pour payer, donc c'est plutôt la publication qui ferait l'objet d'une évaluation. Un autre point important, c'est d'accélérer la diffusion des résultats. Le numérique permet d'aller beaucoup plus vite que l'impression, que la diffusion par diffusion, c'est la cheval dans le poste royal. Et donc là, on peut accélérer la diffusion des résultats. Mais cette accélération de la diffusion des résultats est devenue un critère tellement prégnant qu'il induit un certain nombre d'effets pervers qui sont, ben, on accède à tout de suite et puis on n'a aucune garantie des choses. Et puis, derrière, ce qu'il faut avoir complètement, vraiment présent à l'esprit, c'est qu'une science ouverte, c'est une exigence encore beaucoup plus forte d'intégrité scientifique que celle qu'on avait avant. On l'avait déjà, mais là aussi, c'est un nouveau exigence d'intégrité scientifique. Mais elle est d'autant plus présente dans le système de publication ouverte parce qu'on a des outils pour diffuser les produits plus largement. Donc là, les enjeux d'intégrité scientifique seront des enjeux majeurs dans les années à venir. Ça, il faut qu'on en soit très conscient. Donc moi, je dis, on a deux principes qui sont souvent cités. Une citation de François Houllier que j'aime bien, je sais qu'il y en a d'autres qui l'aiment bien, c'est « On est là pour faire une science qui soit belle, utile, partagée. » Ça résume très bien ce qu'est la science ouverte comme bien commun. Et puis le dernier motto qui est celui d'INRAE, que l'INRAE utilise, qui est de dire « c'est pour la diffusion de résultats, il faut être aussi ouvert que possible. » Et aussi fermé que nécessaire. Il peut y avoir des nécessités de diffusion non ouverte pour des questions contractuelles, par exemple, des questions de travail sur l'innovation ou des besoins secrets. Mais en même temps, le principe premier, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture qui est le principe. C'est pas la fermeture. La règle générale, c'est l'ouverture, sauf exception, pour des raisons qui peuvent être de différentes natures. Alors, publier ouvert, j'ai plusieurs fois insisté dans mon discours sur le fait que la publication académique n'est pas un seul moteur de diffusion, un seul moyen de diffusion des résultats de la science, et qu'on lui a sans doute accordé beaucoup trop d'importance. Et que, pour l'instant, on est surtout évalué sur la publication académique dans des journaux reconnus, plus ou moins chers, plus ou moins prestigieux. Et on oublie toujours la deuxième partie, qui est derrière les publications, il doit y avoir la mise à disposition des jeux de données, qui sont bien en appui à la résultat scientifique. Et qu'un jeu de données, c'est une production scientifique de première importance. Et que ce jeu de données, c'est souvent, ils sont oubliés. Et ça oblige souvent, ça pose la question de la reproductibilité. Si les jeux de données ne sont pas disponibles, c'est difficile de travailler sur la reproductibilité. Le troisième point du triptyque, c'est les codes, tout ce qui est les outils informatiques qui sont utilisés pour faire l'analyse des données. Simplement, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai récemment travaillé sur un dossier de candidature pour un projet dans un pays étranger. Et dans le dossier prestigieux, quelqu'un qui avait publié dans PNAS, Nature, etc., en éthologie un peu théorique. Et dans un des papiers, il y avait un papier qui avait été rétracté. Il dit, tiens. En général, les problèmes de rétractation de papier, c'est-à-dire qu'on dit que le papier n'est plus valide et retiré, c'est pour des questions de, justement, d'intégrité scientifique.
Ben là, non, ce n'était pas pour les questions de la communauté scientifique, c'est parce qu'il y avait une erreur dans le code. Ils ont mis à disposition le code, les gens l'ont réutilisé, ont vu qu'il y avait une erreur, et que cette erreur dans le code a suffi pour invalider totalement les résultats. Et donc, ils ont rétracté le papier, parce que, effectivement, le débat scientifique a annoncé, après publication, dans un journal prestigieux, c'est Nature, que, ben, là, il y avait une erreur, et puis l'erreur a été détectée parce que il y avait une ouverture des données des codes. Donc, ça montre l'importance aussi, on est tous potentiellement victimes d'erreurs, on peut tous se planter, on peut tous faire des conclusions fausses ou erronées ou critiquables. Et si on donne des moyens, effectivement, de le vérifier, de le retravailler, ben, on augmente les chances que ben, ce qu'on a fait est valide et validable et puisse être utilisé longtemps. Donc, dans toutes les publications, c'est ce que je vais vous montrer par la suite, c'est les trois objets, publication en sens académique, d'un article de revue, d'un article de recherche, données et codes devraient être associés de façon beaucoup plus étroite dans notre production qu'elles ne le sont actuellement. Et donc très clairement, maintenant, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein, dès qu'on fait un projet, ben, on met en place un plan de gestion des données qui ne pose pas nécessairement a priori la question de l'ouverture ou de la fermeture, mais qui est pour moi le plan de gestion de données là. Et ensuite, effectivement, une fois que les données sont produites, chaque fois que c'est possible, on les dépose dans un data, dans un répertoire de données. Et il y a, par exemple, le Data Invite, qui va maintenant devenir datagouv.quelque chose comme ça. Et c'est le nouveau répertoire de données national qui va être utilisé par la recherche publique en France, d'ailleurs, a été inauguré il y a quelques jours. Donc, on est dans un processus dans lequel les infrastructures nécessaires pour déposer les données sont aussi présentes que le sont, par exemple, les infrastructures pour déposer les articles dans la, ah, il est devenu la référence incontournable, quand ça marche, hein, il n'y a pas de débat, mais c'est devenu la référence incontournable pour le texte, ben, il faut que de la même façon, il y ait une référence incontournable pour déposer toutes les données chaque fois qu'elles peuvent l'être. Et sans avoir de crainte sur le pillage des données. Les données, ensuite, elles sont identifiées, elles ont un identifiant, des métadonnées qui disent quels sont les auteurs, et de la même façon qu'un article, elles sont citables et utilisables à condition de citer. Voilà le triptyque. Et donc, effectivement, dans la pratique, on en est loin. C'est des dessins qui sont déjà assez vieux, hein. C'est en général, c'est ce que j'ai fait, moi, pendant toute ma carrière. Hein. Pourtant, j'ai publié pas mal. Franchement bien, mais les données, je suis incapable de savoir où elles sont. C'est une catastrophe de ce qu'on dit là. Ben ça, il faut l'arrêter. Et puis, vous voyez bien, tous les systèmes de stockage qu'on utilise, quand même beaucoup de scientifiques sont en train d'utiliser le but de l'air. C'est de moins en moins le cas. Ça s'améliore de plus en plus. Mais il y a encore des disciplines dans lesquelles, si on crache son ordinateur, ben, on n'y fait plus. Voilà. Donc ça, c'est de la caricature. Mais c'est un peu ça. Bon, puis le DataGouv, maintenant, je ne sais plus comment ça a évolué, mais déjà, il y a DataUrae. Je sais pas s'il y a un gros parité qui est un niveau de données institutionnel. Pas un gros parité, mais on redirige soit vers les entreprises thématiques, pluridisciplinaires, pluridisciplinaires, c'est en dernier, thématiques, institutionnelles de partenaires, type DataUrae, Google, et notamment Paris-Saclay, ça ouvrira pas trop longtemps. Après, c'est du pluridisciplinaire qui faisait le dos. Voilà, simplement, si vous avez à choisir un dépôt, veillez à ce que ce dépôt vous donne un DOI. C'est-à-dire, identifie proprement le jeu de données. Et les métadonnées propres, c'est-à-dire en gros, nom d'auteur, date, toute la traçabilité. Et que ce soit un peu garanti sur la durée. Et que ça réponde aux critères, aux quatre critères indispensables qui sont les FAIR. C'est-à-dire que ça doit être findable, accessible, interoperable dans un format qui soit réutilisable et puis réutilisable. C'est-à-dire vérifier que les dépôts de données en question répondent à ces exigences. Maintenant, les voies de publication. Après, je vais vous donner des exemples. Donc, en gros, on dit souvent, il y a trois voies de publication ouvertes. La première, c'est la voie verte. Et la voie verte, vous la faites déjà. Peut-être même sans le savoir. Vous la faites déjà parce que tous vos préprints sont sous Donc, en fait, tout ce que vous produisez
est déjà disponible, peut-être pas sous la forme définitive éditée par le journal, dans certains cas oui, dans la plupart des cas plutôt sous la forme manuscrit définitive accepté. Et tout ça c'est souverain, c'est légal, aucune maison d'édition ne peut s'y opposer, et si vous faites ça, l'essentiel c'est déjà une grande disponibilité de tout ce qui est publié. Et ça, c'est, ça a été un bon énorme, et l'intérêt aussi en France, c'est que c'est un outil centralisé. Alors, il faut que quand il marche pas, il marche pas pour tout le monde, mais inversement, quand il marche bien, il marche très bien pour tout le monde. C'est pas le cas dans les autres pays, où ce type de dépôt de manuscrits est souvent plus éclaté, dépend des universités. C'est notre système. C'est devenu obligatoire, même, pour cette institution. C'est devenu obligatoire, et de toute façon, c'est la base de l'évaluation. La deuxième voie, c'est complémentaire. C'est pas les voies qui sont en opposition les unes avec les autres. La deuxième voie est beaucoup plus critiquée, parce que c'est la fameuse voie dorée dans laquelle il faut publier pour payer. Payer pour publier, pardon. Et donc, voilà. Derrière, il y a effectivement des accords transformants, des tas de négociations qui sont en cours, qui ont un petit peu suivi ce point. Et puis, c'est potentiellement cher. De prix considéré comme raisonnable jusqu'à des prix considérés comme totalement irraisonnables. Et puis, il y a la voie qui émerge doucement. Oui. C'est pas clair pour moi si dans la voie dorée, on peut mettre les publics de quelqu'un. Bien sûr que si, parce que dans la voie dorée, tu payes pour publier, donc c'est toi qui gardes tous les droits. Donc, tu réponds aux exigences de la science ouverte. Puisque c'est toi qui gardes les droits et la disponibilité ensuite, c'est que tu fais ça sous une licence de type 6.4. Qui fait que l'autorisation de diffusion, parce que de toute façon, ça élimine tous les coûts liés à l'utilisation. Tu mets en place que les coûts liés à la production, entre guillemets. Derrière la production, ça peut être assez large. Il n'y a pas de catégorie commune. Le moment où on paye pour publier. Ben, tu sais ça, c'est la voie dorée. Ah ouais, ok. Tu payes pour publier. Non, mais tu payes pour publier. C'est pour ça que ce que veulent les maisons d'édition actuellement, c'est bien de passer à la voie dorée, ouais. Parce que ça leur permet de maintenir leur business et leurs compétences, et derrière des jobs aussi, il y a quand même pas mal de monde. Et ils incitent à ce qu'il y ait une transition depuis les journaux qui sont fortement décriés, qui sont les journaux dits hybrides, dans lesquels il y a à la fois des frais d'abonnement et des frais de publication. Donc on évite les journaux hybrides. Mais de fait, d'ici 4 ou 5 ans, il en restera relativement peu. Les maisons d'édition veulent aller vers le paiement par les auteurs. C'est beaucoup plus simple pour elles. Et c'est aussi une garantie de revenus sur la durée. Donc ça veut dire transférer les coûts d'abonnement, les frais d'abonnement, les coûts ou les gains qu'ils font à travers les abonnements vers les gains qu'ils font à travers la publication. Donc la diffusion ensuite est totalement libre et ça les arrange à plein de points de vue. Plus de problème avec Sci-Hub, plus de problème de piratage, plus de problème de droit, puisque les droits restent totalement acquis aux États. Mais c'est pas un frein pour la publication? Ben, t'as toutes les autres voies, c'est pour ça qu'il y a les autres. C'est pour ça que je montre bien qu'il y a trois voies. Donc non, c'est pas un frein à la publication, parce que, on dit toujours quels sont l'INRAE paye 3,5 millions tous les ans pour les abonnements. Donc c'est effectivement, si on payait que des articles dans Nature, ce serait un gros frein à la publication. Parce que là, ils sont tels que ça. Mais on discutera de ça plus tard. Hein, parce que je pense qu'il faut regarder d'abord les trois, regarder l'ensemble des choses et après, le discuter. Et la troisième voie, qui est la voie dite gratuite, hein, que soulignait Jean-Luc tout à l'heure, mais celle-là, il faut la créer. Il faut créer les outils de diffusion gratuite des choses. Et c'est là que je vais vous montrer justement quelques progrès qui sont faits pour aller créer ce genre de choses. Donc là, c'est clairement la voie diamant, c'est des journaux qui sont publiés, ou des papiers qui sont publiés sans frais d'abonnement, ni de publication. Là, c'est zéro. Chercheur ne paye rien. Derrière, il y a des gens qui payent quand même. Les coûts sont souvent modérés. Et donc là, on a un projet sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui est soutenu par INRAE, qui est de participer à une plateforme, à la création d'une plateforme de publication. Elle n'est pas encore complètement faite. Il faut les construire. C'est pour ça que je dis que, la voie dorée est très critiquable, mais pour l'instant, on l'utilise encore dans certains cas, et puis on essaie de développer des outils qui permettent de faire autre chose que la voie dorée. Oui, vas-y. Les trois voies, on a des journaux, on est connus, on peut y aller à la soumission. Et il peut très bien être jeté par l'éditeur le lendemain, mais on a payé la soumission.
Oui, ça, il ne faut pas l'accepter. De cela. Ah bah oui, c'est les meilleurs, donc j'explique. Non, c'est là qu'il faut qu'on sorte. On en a un certain nombre. C'est là que nos communautés doivent sortir de l'idée fausse de ce que c'est que les meilleurs hommes. Oui, ça, je suis d'accord, mais on n'en est pas encore. Payer à la soumission, c'est un scandale. Ah ouais, mais ça arrive souvent, en fait. Mais oui, parce que les maisons d'édition disent que le coût de fabrication inclut les coûts de transaction pour l'évaluation, la circulation, le logiciel, les machins. Et effectivement, je verrai avec les exemples de nos revues à nous, c'est nous qui faisons ce boulot-là. L'intérieur d'IMA est beaucoup plus que la maison d'édition. Mais c'est en fait pas payé. Voilà. Donc là, c'est une question d'évaluation de dire pourquoi je paye. Est-ce pour les bonnes raisons? Ouais. Parce que c'est le grand A et que c'est ce qu'on demande. Sauf qu'il y a Dora qui est là pour contrebalancer les choses. Hein, donc, on ne regarde pas forcément la facture, on regarde différemment. Peut-être qu'un jour, ça viendra contrebalancer. Dans les commentaires après, parce que sinon, ça va être très difficile pour ceux qui nous suivent en ligne d'écouter nos échanges. Donc, je vais vous donner un peu ma revue à moi. Et un qu'à moi. En fait, non, il ne faut pas que ce soit rien à moi, sinon c'est la catastrophe. Donc, les annales, je vais vous donner quelques éléments. Donc, vous voyez, ça, c'est notre visuel. On a un petit journal dans le domaine forestier, 800 papiers par an. Donc, ça fait voir ce que ça représente maintenant du monde de publication forestière. Et on a notre idée, c'est de défendre l'idée qu'on est sur un journal qui publie de la recherche multidisciplinaire sur les forêts et les bois dans un monde qui change. Donc, chaque journal essaye un peu de définir son scope, voilà le nôtre. Et voilà le visuel. Je ne vais pas vous faire une longue histoire des annales. C'est un vieux journal, de 1964, et avant, il était précédé par les annales de l'École nationale des eaux et forêts, qui sont toutes en ligne. Hein, en fait, toutes les annales, depuis 1924, sont en ligne sous Arles. Donc, ça montre aussi la puissance de ce qu'on peut faire. Bon, c'est en français. Jusqu'en 1999, tout était en français, 99. Gilles Darosnac a pris la décision qui doit être longue, m'en reprochait de passer à l'anglais. C'est comme ça. Et puis, ensuite, le journal a changé de titre et est devenu Annals of Forest Science en langue de l'île, en passant aussi chez une maison d'édition. Vous voyez les articles, ils sont visibles. De toute façon, vous aurez tout ça. Vous pouvez y aller. Vous pouvez aller voir. On a des plaquettes de présentation. On a un blog. Les soumissions se font via un gestionnaire de manuscrits. Le coût est de 1 690 €, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui est plutôt dans la gamme basse du prix impliqué par les gros journaux, plus les taxes. Et puis, on fait des réductions et on va essayer de faire aussi en sorte qu'on puisse offrir de temps en temps un réel du connais. Hein, quand on fait un numéro spécial, on offre des papiers gratuits pour les papiers qui s'intéressent. C'est un consacre une partie. Sur ces 1 690 €, il y en a 350 qui reviennent à l'animal et pour le contrat. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est des contrats de 5 ans. C'est une INRAE propriétaire du titre, de 7 titres, et passe un contrat pendant 5 ans avec un partenaire extérieur, en disant, voilà les conditions dans lesquelles on fait, et dans 5 ans, on revient et on refait un appel d'offres. Ce qui fait que dans 5 ans, si les modèles diamants ont fortement évolué, il n'est pas impossible qu'on arrive dans le modèle de l'infrastructure. Jusqu'à présent, la négociation a été faite il y a un an, le modèle diamant n'était pas capable d'offrir les mêmes prestations que ce que offre un journal, mais ça va évoluer et ça peut changer très vite. Voilà, plaquette de présentation. Et je voudrais insister un peu sur les types de publications parce que on publie pas que des articles de recherche qui sont souvent basés sur un test d'hypothèse, mais pas toujours, hein, parce qu'il y a plein d'autres formats de recherche possibles et qui devraient le plus souvent possible être associés à un jeu de données. Le jeu de données, donc on est très incitatif là-dessus, mais sans être exigeant au point de dire le jeu de données, si vous ne mettez pas le jeu de données à disponibilité, on ne prend pas le papier. On va peut-être y venir doucement, mais ce n'est pas encore le cas. On fait des articles de revues bibliographiques, on fait des articles de données, on fait des articles d'opinion. Les articles d'opinion sont très intéressants parce qu'ils permettent de donner à un chercheur d'exprimer et de façon argumentée, un point de vue qui peut être original et contestable, et contesté. Qui n'est pas donc une revue, parce qu'il n'est pas exhaustif, mais qui donne un éclairage à un instant donné sur une question scientifique. Donc, c'est des choses que moi j'aime beaucoup, d'avoir des papiers d'opinion, à condition que ces opinions soient fortement argumentées.
On fait de temps en temps des commentaires et des réponses. Vous allez voir apparaître une réponse à une réponse autour de la question de la de l'évaluation des prélèvements forestiers en Europe autour des derniers années. Le conflit sempiternel entre les télédétecteurs et les inventoristes pour savoir quelles sont les meilleures méthodes et lesquelles sont les plus fiables. Et pour arriver à un consensus, et bien pour arriver à un consensus, il faut qu'il y ait débat. Il faut que les méthodes, les deux groupes de méthodes évoluent et se posent un peu plus. Donc on a publié plusieurs papiers en réponse au papier qui a fait beaucoup de bruit dans Nature il y a un peu plus d'un an, qui disait qu'il y avait trop d'augmentation de prélèvements en Europe. Nous, on prend pas position, on n'est pas là pour dire qu'il y a eu ou qu'il n'y a pas eu, mais on ferme le débat. Et des éditeurs. Donc ça montre aussi qu'il y a une diversité de ce que vous pouvez publier. Et une des choses qu'on publie depuis quelques temps et qui commence à monter en puissance, c'est les papiers de données. Un papier de données n'est pas un papier de recherche. C'est pas un papier qui teste une hypothèse ou qui traite une question de recherche. C'est un papier qui montre l'intérêt d'un jeu de données, ce qui peut en être fait et comment il peut encore être valorisé, alors qu'il a sans doute déjà été, la plupart des jeux de données que nous publions ont déjà été valorisés. Il y a d'autres valorisations. Ça peut faire partie de méta-analyse. Ça peut être réutilisé pour plein d'autres choses. Donc, on a un modèle de papier qui est souvent proposé par des gens qui ne sont pas des habitués de la publication scientifique, qui sont des ingénieurs qui travaillent plutôt sur des réseaux de gestion de données. Donc, c'est un format qui est intéressant. Il y a des journaux spécialisés dans les groupes de papier de données. Et nous, on le fait de plus en plus. Voilà. Maintenant, je vais vous faire une petite analyse. Bon, je vous montrerai tout à l'heure un exemple, je vais peut-être le donner tout de suite. Là, on a publié, et là on est très fiers, on a publié un papier sur les choix de provenance des chaînes sessiles les plus adaptées au changement climatique sur la base des essais menés par Bordeaux depuis plus de 25 ans avec je ne sais plus combien de provenances européennes sur 3 sites en France. Donc si j'ai dit que pas bon ici. Donc, j'ai publié un papier d'analyse pour dire, à partir des données de 25 ans de survie, de croissance et tout ce qui a été mesuré, quelles sont les provenances les plus adaptées pour les différentes régions. Ben, ils ont publié en même temps un papier de données qui décrit le jeu de données et ils ont en même temps déposé le jeu de données sous DataIRF. Donc, tous les trois éléments sont fortement interconnectés et quand on peut ne lire que le papier de recherche qui donne les résultats comme on le donne classiquement les choses en faisant confiance au fait que les données derrière sont solides, mais on peut aussi aller voir les données, on peut aussi réutiliser les données, et les données sont actuellement visibles, bien utilisées, ont un débit, etc., etc. Voilà, c'est ça, vers ça qu'on espère aller. Bon, on va faire un peu de bibliométrie quand même si je n'aime pas ça, mais je suis quand même assez fier pour les annales. L'impact facteur du journal, on n'utilise pas pour l'évaluation individuelle et l'évaluation collective. Ce qui compte, c'est l'impact des articles, l'impact du contenu, ce qui n'est pas l'impact de l'enveloppe, du paquet cadeau dans le texte. Il faut le dire. Malgré tout, c'est intéressant de regarder parce que, comme les scientifiques sont des grands enfants, ils connaissent l'impact facteur et donc ils vont regarder le rang A, le rang B, le rang C, etc. de l'impact facteur. Les annales, on se démarre pas si mal. On est à 3,77 cette année. On était à 2,58. Donc, l'impact facteur, c'est quoi? C'est le nombre de citations en 2021, ici. Les papiers qui ont été publiés en 2019 et en 2020. Donc, c'est ça, un outil. Il y a d'autres outils pour faire d'autres impacts. Peu importe. On prend celui-là. Donc, les annales, on est content. On est d'autant plus content qu'on est 10e sur 69 dans tous les journaux du domaine foresterie. De la Rewrite, c'est une des bases de données. Il y en a d'autres, hein. Elsevier fait une grosse base de données qui est mise à disposition gratuitement. Google fait le même genre de métriques. Vous pouvez utiliser toutes les métriques que vous voulez. C'est intéressant de regarder. Puis, c'est donc l'impact facteur à deux ans. C'est aussi l'impact facteur quand on élimine les autocitations. Bon, le journal lui-même, là, on est encore mieux. Et puis, l'impact facteur à 5 ans, pas mal. Jusqu'à présent, moi, jamais je n'aurais rêvé qu'on dépasse ces 3. Il y a encore 5 ans, c'était même pas envisageable. 2, c'était déjà un objectif important. Maintenant, l'objectif, c'est 4. Bon, maintenant, il faut regarder d'un peu plus près ce qui se passe derrière. Vous voyez, dans le domaine forestier, l'impact facteur 1 million de 60 millions d'euros est de 1,9.
bon, on est vachement content, on peut faire de la pub, on peut communiquer autour de ça, on peut dire on est aussi un journal relativement prestigieux dans une catégorie peut-être un peu moins que la catégorie dans laquelle il y a un journaliste, mais on a un impact facteur qui n'est pas ridicule et qui augmente. Maintenant, regardons un peu plus ce qu'il y a derrière. La première chose qu'il y a derrière, c'est qu'il faut toujours regarder, et ça, c'est, vous pouvez le voir dans tous les rapports de Journal Citation, regardez les histogrammes de distribution de citation. C'est toujours la même chose. Vous pouvez le voir, c'est de toute façon, là, complètement asymétrique, et puis ceux qui font l'impact facteur, ils sont là, hein. Ils sont à 29,30. C'est ça, c'est l'impact facteur vient de là, c'est l'impact facteur est une moyenne, pas une médiane. Et là, vous avez la médiane du type d'articles publiés. Et les articles de review, chez dans les annales, ont un taux de citation de 6. Ils sont cités 6 fois sur pendant l'année 2021, et les articles de recherche que de 3. Donc déjà, un journal qui publie beaucoup plus d'articles de synthèse, d'articles de review, boum, il va monter son interprétateur, il y en a qui sont spécialisés là-dedans, et un journal qui fait que des articles de recherche, il va nécessairement avoir un interprétateur un peu plus faible. Bon, les annales, on est assez content. Après, on regarde d'où viennent les papiers, alors je ne vais pas me faire trop détailler, mais ça reste un tout petit peu consanguin. Donc il y a encore un peu le journal français, même si on est très international, donc ça là, il y a quelque chose qui nous fasse, mais on est content. On a les Finlandais nous connaissent bien, les VSL nous connaissent bien, mais le reste, c'est quand même pas mal un peu français. Donc là aussi, on a une vraie question à se poser, et ça fait depuis 30 ans que c'est comme ça. C'est très difficile de faire changer. Et après, une réflexion sur l'impact d'un journal. Ça, c'est l'évolution au cours du temps du nombre de papiers publiés chaque année dans le domaine forestier. Donc, on est passé depuis 2003, ça commence en 2003, la série, on est passé de 2000 papiers par an à presque 8000. Les causes de cette augmentation, j'ai pas d'analyse très détaillée, il y a deux possibilités, en gros. C'est le publisher flourish, c'est-à-dire chacun publie beaucoup plus, ou c'est le nombre de chercheurs. En fait, c'est probablement le nombre de chercheurs. Parce que, d'une part, on publie de plus en plus de papiers co-signés à 20 ou 30. Donc, le nombre de papiers par tête de pipe n'a pas augmenté aussi fortement que ce qu'on pense. Par contre, là, ce qui a augmenté énormément, c'est les acteurs, de nouveaux acteurs sont apparus. Les acteurs chinois, par exemple, hein, qui publient énormément et qui sont très présents. Et donc, voilà, forte augmentation. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Les impact facteurs. Donc, voilà, l'évolution médiane de l'impact facteur dans la catégorie, l'évolution de l'impact facteur des annales. Alors, l'impact facteur des annales, il fait un peu de génie parce qu'on publie 100 papiers par an, donc la variabilité statistique est beaucoup plus forte que quand on publie 1000, c'est logique. Et on compare avec un journal qui s'appelle Forest, que vous connaissez certainement, qui est nouveau venu dans le paysage, qui est par une compagnie chinoise qui a installé son pied de la terre en Suisse. Et vous voyez l'impact facteur. Ils ont commencé en 2012. Donc voilà, ils sont pas mauvais, hein. Ils sont pratiquement au même niveau que nous, et largement dessus, là, ils jouent en même temps. Les modèles et les pièces sont très critiqués. Ouais, attends, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer maintenant la réalité. La réalité, elle est là. Ça, c'est la fraction de papier publié par chaque journal dans la catégorie forestier. En pourcentage. Donc, les annales, on publie tous les ans 100 papiers, à peu près, plus ou moins 10. On n'a pas augmenté. On est resté stable, et c'est pas une volonté, c'est pas de dire on veut rester stable, c'est par rapport à ce qu'on nous soumet et à ce que on garde. Et on n'a aucun. Dans nos contrats, par exemple, avec HPLien, parce qu'on travaille avec HPLien, il y a une clause qui dit clairement que HPLien ne peut en aucun cas nous imposer un volume de publication minimal pour faire le chiffre d'affaires. Ils ne peuvent pas. C'est nous qui décidons de ce qui sera publié. Donc la décision, elle n'est pas non plus basée sur l'idée d'un numerus clausus. C'est comme ça. Et à côté, vous avez le nombre de papiers, la contribution de Forest, qui maintenant contribue à 22% de toutes les publications qui sont publiées par 69 journaux.
pense qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin. On est dans un modèle, on peut le critiquer, ou il n'est pas nécessairement que critiquable. C'est, pour moi, c'est le modèle Amazon. C'est Amazon qui, des nouveaux outils, une communication extrêmement efficace, très professionnelle dans la façon de faire, et très rapidement, ça devient quasi hégémonique dans la publication des résultats. Et c'est pas que les Chinois qui publient. J'ai regardé, il y a beaucoup de publications chinoises, ils ont capté ce marché, ça a été fait pour ça, hein, les pays ont été créés pour capter ce marché émergent de la publication. Mais en même temps, ils ont des gens qui publient. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus là-dessus. Pourquoi il y a le truc qui apparaît dans... Parce qu'il y a des questions dans le chat. D'accord. Donc ça, c'était tout simplement le petit coup de projecteur sur la combinaison des trois papiers, vous les aurez. Ça montre cette complémentarité entre données, synthèse ou analyse scientifique qui en est faite, et puis le jeu de données qui est le même. Vous avez tous les liens qui sont disponibles, il suffit d'aller voir, ça a été publié un point. Ça montre un peu le fait qu'il faut qu'on valorise plus, alors ça dépend des disciplines, bien entendu, mais il faut qu'on valorise plus la partie jeu de données. Bon. Ouais. Bon, je vais pas vous faire la liste. On publie des collections de thématiques, hein. Donc, il y en a pas mal en cours. Il y en a 5 en cours actuellement, chaque fois qu'il y a un événement. Donc, faut pas hésiter à vous soumettre des projets, si vous avez une idée d'un truc thématique. Donc, il y en a un sur le congrès que vous avez fait récemment, et on va voir ce que ça donne. Il y en aura un autre sur le carbon cycling. Dans les écosystèmes forestiers, il y en a un autre qui suit la réunion de Bordeaux sur les risques, les multirisques en forêt. Et donc tout ça, c'est des collections dans lesquelles on traite les articles au fur et à mesure, on les publie au fur et à mesure qu'ils sont prêts et on les rassemble. Voilà, ça c'était donc l'exemple d'un journal doré. Donc c'est pas bien parce qu'il est payé, mais en même temps la raison pour laquelle nos journaux INRAE sont restés dans la voie dorée, c'est qu'il y a quand même un appui et une capacité de diffusion et de valorisation des choses qui ne sont pas encore disponibles dans les choses. Maintenant, vous voulez publier vite. Vous voulez que vos résultats sortent vite. Vous ne voulez pas que ça coûte cher. Est-ce qu'il y a des outils pour faire ça? Oui, il y a des outils pour faire ça. Il suffit de s'en emparer. Et un des outils pour faire ça, pour aller vite, pour que ça coûte pas cher, c'est de faire un préprint, c'est-à-dire un manuscrit déposé sur un serveur de préprint, et de le faire évaluer par la communauté scientifique. Ce qui fait que le préprint ne sera pour l'instant pas nécessairement publié dans un journal classique, mais il aura été évalué par une communauté identifiée de chercheurs compétents dans le domaine. C'est exactement le principe de la PCR. Donc, en fait, les préprints, c'est un outil qui a explosé ces derniers temps. De plus en plus de chercheurs mettent leur manuscrit dans des serveurs de préprints. Il y en a plein. C'est la question de savoir quel serveur utiliser. Il faut simplement vérifier toujours que ça donne des garanties en termes de durabilité. C'est intéressant, ça coûte pas cher. C'est gratuit. Ça permet de mettre à disposition ces résultats à toute une communauté qui peut les critiquer. Ça donne une preuve d'antériorité, parce qu'au moment où vous déposez votre manuscrit, vous avez le début et votre antériorité. C'est quand même important, donc, parfois, dans le débat d'antériorité, où on publie, ça dure plus longtemps dans un journal A que dans un journal B, donc, grosse bagarre entre les communautés de chercheurs. Mais par contre, il y a un vrai problème, c'est que les préprints ne prévoient pas d'évaluation. Donc, les préprints, c'est les manuscrits avec le meilleur et le pire. Ce qui est tout à fait logique. Donc là, le besoin, c'est il faut que la communauté de chercheurs se mette à faire l'évaluation des préprints. Et c'est ce que propose la Peer Community In, qui a été créée par les collègues que j'ai oublié, j'aurais dû citer Denis Bourget et Thomas Dumont. Et puis, actuellement, c'est un petit groupe qui fait tourner ces PCI. Il y en a, je crois, 15 qui sont en place. Donc, chaque PCI, chaque est une communauté de pairs qui se déclare prêt à évaluer des préprints qui lui sont soumis. Donc, ça marche comment? Les préprints peuvent être sur BioArchive, peuvent être sur Archive, le truc classique des physiciens, sur Zelodo, qui est le truc européen,
virale, parce que vous avez des préprints virales. Sur OSF préprint, je ne sais plus ce que c'est. Et vous avez des PCI, ben, entre autres, il y aura une PCI, il y a maintenant une PCI sur Forest Standard Science qui est à votre disposition. Comment ça marche? Là, vous déposez le préprint sur un serveur. Vous veillez à ce que le préprint soit accompagné des données, qu'il soit accompagné des codes. Parce que sinon, ça ne marche pas complètement. Ensuite, vous soumettez, non pas le, c'est pas une soumission physique, mais simplement vous dites, j'ai un préprint avec tel DOI à tel endroit, je voudrais qu'il soit évalué par un PCI. Donc, vous soumettez, entre guillemets, à une des PCI en fonction des techniques. Dans les PCI, c'est des communautés de gens qui recommandent et qui font le travail de développeur et de travail d'éditeur associé, pardon. Et ensuite, vous invitez des reviewers pour faire le boulot. Et vous pouvez aussi, le manuscrit peut être rejeté d'emblée, pas intéressant, qui est pas bon, et puis on ne prend pas. Et alors, on le fait reviewer. Et ensuite, s'il est reviewé, il y a toute une série de versions qui sont identifiées avec des améliorations, des réponses aux reviewers. Et tout ça, c'est transparent. C'est la seule chose qui n'est pas nécessairement transparente, c'est le nom du reviewer. Le reviewer peut rester anonyme. Par contre, le contenu des échanges est transparent. Et ensuite, il peut arriver que le papier, le papier soit rejeté, donc il ne soit pas, comme ils disent déjà, recommandé. C'est la terminologie officielle de PCI, donc dans ce cas, il ne se passe rien. Ou alors, il est recommandé, et dans ce cas, il y a un commentaire de recommandation qui est publié sur ça, des préprints. Et qu'est-ce qui se passe après? Ben, il y a donc les recommandations, les revues sont disponibles, tout est disponible, et puis vous pouvez ensuite faire ce que vous voulez. Bon, je crois que vous voyez une diapo. Voilà, la peer community in forest and wood sciences, voilà à quoi ressemble la page d'accueil, c'est facile à trouver. Pour déposer un truc, c'est très vite fait. Vous avez là à gauche ceux qui sont en charge du fonctionnement de la chose. Bon, ben, je m'en occupe, mais il y a aussi d'autres collègues qui sont parties prenantes. Et ensuite, on a une cinquantaine de recommandeurs qui sont disponibles pour le faire. Non seulement, ils n'ont pas de boulot, parce que pour l'instant, c'est pas le grand flux de manuscrits qu'on nous soumet. C'est un peu dommage. Donc là, le message, là, c'est clairement, vous voulez une évaluation rapide, vous voulez une visibilité rapide et vous voulez pas que ça coûte cher. Les outils sont là. Et rien n'interdit de plus en plus de journaux dont les annales de Forest Science acceptent de prendre en compte la revue qui a été faite par PCI, non pas de l'intégrer immédiatement parce que chaque journal a quand même sa perception propre des choses, des réalités, mais dit, on leur prend en compte et donc on publie rapidement. Bon, mais après, il faut payer. C'est là que ça a des choses. Bon, alors, on va dans un journal gratuit. Et le journal gratuit, il est mis à disposition. Bon, voilà un exemple de papier recommandé. Je peux dire que celui-là, il est vraiment cité. Et puis, donc, après, vous pouvez le mettre soit dans Peer Community Journal. Le fondateur de PCI a décidé de créer un journal dédié qui ressemble à PLOS, qui prend tout. Une fois que un manuscrit est recommandé, ben, il est publié sous une version PDF sous le Peer Community Journal, gratuitement. Là, ça coûte rien. Ça a quelques inconvénients. C'est une version PDF pour l'instant. C'est pas une version full text, donc c'est un peu moins riche que ce que produisent les journaux. Et puis c'est multidisciplinaire. Tout est dedans, on peut aller dessus pour ces sujets. Bon, vous pouvez aussi aller dans un PCI friendly journal, c'est-à-dire des journaux qui s'engagent à prendre en compte les recommandations de la PCI. Tout ça, il y a un exemple de la Amazon Forest Science, mais il y en a plein d'autres qui font. Et vous pouvez aller dans n'importe quel journal qui accepte le préprint avec autre chose. Donc, l'intérêt de ce système, voilà, Peer Community Journal. L'intérêt de ce système, c'est clairement, on déconnecte l'évaluation scientifique des contenus de la publication par les journaux. Et cette évaluation scientifique des contenus, elle est gratuite parce qu'elle est faite par la communauté sur son temps de travail, parce que ça fait partie, de façon intégrante de notre mission. Dans nos missions de chercheurs, il est dit que nous sommes là pour produire des connaissances et pour contribuer à l'évaluation du corpus de connaissances existant et de le faire bien. Voilà. Donc,
ce PCI a gagné des prix, ils ont fait un boulot remarquable. Moi, j'ai rien fait. J'ai juste mis mes pieds dans les chaussures qu'ils avaient construites pour créer une PCI en forêt, Forest and Design, en faisant le pari qu'il y avait une communauté de gens autour de cet objet. Le pari n'est pas complètement gagné, puisqu'on a très peu de soumissions pour l'instant. Mais il y en a d'autres, dans le domaine forestier, on peut aller dans la PCI évolutive, qui est de l'écologie évolutive. Il y a une PCI sur la génomique, qui prend les arbres, les poissons, les insectes et tout ce qu'on veut. Il y a d'autres PCI, il y a tous les outils qu'il faut, donc il n'y a pas nécessairement de, je ne défends pas la PCI forestière. Mais en économie, il n'y a rien. Donc, si la communauté des économistes décide de faire un truc comme ça, ben, elle peut le faire. Et, il suffit d'être candidat pour monter une PCI, pour rassembler une communauté, et puis se lancer. C'est ce qu'on a fait, nous, avec la PCI. Voilà. Puis bon, ça s'en fout un peu du texte, mais c'est simplement le plan S, qui a été cité tout à l'heure, vient de dire clairement, et la plupart des écoles doctorales, beaucoup d'universités disent que un pré-prix validé par une communauté de pairs a la même valeur qu'une publication. Ou une validation, les décisions. Les doctorants. Donc, il faut surtout dire aux doctorants, allez déposer vos préprints. C'est une école d'apprentissage de la rédaction qui est extrêmement importante, qui est rapide, qui coûte rien, et qui ne l'obère en aucun cas le devenir du papier ensuite s'il faut le mettre dans un journal prestigieux. Les journaux prestigieux vont régimenter. Voilà. Et donc, le plan S10, ça, c'est complètement valide. Les écoles doctorales de l'Université de Lorraine disent tous, il faut pour soutenir une thèse, une publication, PCI, validé par PCI, égale publication. Voilà. Donc, la question c'est, qu'est-ce qu'on attend de se jeter sur ce système? Il y avait cette idée que un journal ne publiait que des choses originales qui n'avaient pas encore été mises en ligne. Mais ça, on commence à l'abandonner. La plupart des journaux, graduellement, abandonnent cette idée en disant que, ben, effectivement, c'était un préprint, mais un préprint, c'est un manuscrit en élaboration et en construction. Et ce que publie le journal, c'est la version définitive. L'avantage aussi des préprints, c'est que s'il y a plusieurs versions, on peut garder pendant un certain temps au moins les différentes versions et voir comment elles évoluent le contenu. Donc on voit aussi le débat scientifique qui est derrière l'article. Donc de plus en plus de journaux vont le faire. Au début, il y avait des réticences. PCI était perçu comme un outil de compétition avec les journaux, ce qu'il ne faut pas considérer, il ne faut pas nécessairement considérer comme ça. On peut se dire que on n'a pas besoin de publier dans Nature, on garde le PCI et puis éventuellement d'un PCI journal. Bon, ça c'est après c'est les choix individuels, mais c'est pas les institutions ou pas juger les choix individuels des chercheurs. Voilà. Donc il y en a 15 actuellement, y compris en archéologie. Ça me dit bien que c'est pas que ça a été créé par des biologistes génétiques, mais c'est le concept a été produit par d'autres, des physiciens. Il y a un truc qui m'a aidé en mobilisation informatique. Et puis nous, il y en a deux qui sont plutôt des PCI. Donc la plupart des PCI, c'est des communautés plutôt disciplinaires. Des écologistes de l'évolution, des biologistes, des généticiens ou des organisateurs. Nous, on a fait le pari avec une autre autour des sciences animales, avec PCI sur les sciences animales. On a fait le pari de faire une PCI objet, dans laquelle on accepte des manuscrits de toutes les disciplines qui concourent à faire connaître l'objet. C'est un choix. On verra si ça marche. Si les autres marchent. Mais je peux vous dire que les autres, il y a actuellement 250 manuscrits qui ont été validés par des PCI, toutes les PCI en France, 250 ou 300. Donc ça augmente quand même régulièrement, mais c'est pas encore le raz-de-marée. Parce que il y a encore une espèce de méfiance, hein, il y a encore le syndrome de la revue de rang A qui est présent dans pas mal de. Voilà, ça c'est un outil, ça répond aussi à la question de la gratuité. Là c'est gratuit. Parce que, en fait, le coût est énorme pour faire tourner une PCI. C'est des chargés de recherche et des directeurs de recherche qui passent 10%, 20%, 30% de leur temps à faire. Donc, pour la collectivité, c'est un coût énorme. Mais ça fait partie du métier de recherche. C'est une partie de ce bien commun qu'est la recherche. Dans les nouveaux modes de publication, je vous disais tout à l'heure qu'on veut aller vers de plus en plus de revues diamants. Donc, l'université de Bordeaux a pris l'initiative il y a 5 ans déjà, c'est encore en développement, de développer une plateforme de revues scientifiques, hein, vous donnerez le lien. Et donc là-dessus, il y a un certain nombre de revues, il y en a deux, vous connaissez peut-être, hein, il y a Sciences, Eau et Territoire,
Et puis, il y a la revue forestière qui est hébergée par cette plateforme depuis le 1er janvier de cette année. Donc ça, là, c'est Diamant. Il y a une évaluation dans la règle de la FFE. Et puis, aucun coût imputé. Mais par contre, c'est derrière les institutions qui payent pour faire tourner la plateforme, qui payent les frais de gestion de tout ça. On a un gros travail en cours actuellement avec un projet soutenu par le Fonds national de la science ouverte, qui vise à transformer, et voilà, continue la suivante, qui vise à transformer cette plateforme en une plateforme partagée par, au départ, trois partenaires, l'Université de Bordeaux, qui est créée, INRAE, qui dit ça va être notre plateforme de publication officielle, on en fera par le commun site. Et l'Université de Lorraine, qui dit la même chose, mais aussi le temps de vous informer, potentiellement intéressé. Pour INRAE, c'est quand même 5 ou 6 journaux qui sont en train d'y aller ou qui peuvent y aller. Et puis, bon, voilà, après, il peut y avoir un film dans le texte. Donc, ça, c'est un projet de 2 ans qui va se développer. Et derrière, peut-être que dans 5 ans, ce type, ce modèle de publication sera parfaitement compétitif par rapport à ce que peut proposer une maison d'édition beaucoup plus chère. Voilà, quelle est notre stratégie INRAE? Je vous l'ai déjà expliqué. C'est un peu le job de défendre cette stratégie, malheureusement. C'est de dire que pour les revues de recherche internationale, donc c'est les revues qui sont internationales, hein, on fait un partenariat avec une maison d'édition sur la base de contrats de 5 ans. Et on va vers les APC. Donc avec des critiques fortes de ceux qui n'aiment pas les APC. Mais en parallèle, on va beaucoup vers la science ouverte. Vous avez vu, je vous ai donné tous les exemples de science ouverte qu'on fait autour de notre revue. Donc, on essaie quand même de maintenir les APC les plus faibles possibles, mais ça, c'est des négociations avec une grosse boîte qui est quand même plutôt raide dans la négociation. Et une fois que c'est publié, ça finit dans, il y a un lien direct qui est contractuel. On a négocié comme ça. La version éditeur passe au droit. Donc, c'est PDF qui est en exactement. C'est pas le site. C'est-à-dire que ça revient dans, entre guillemets, le domaine public. Au bout d'un an. Mais de toute façon, il n'y a plus de barrière temporelle, puisque tous les droits sont des auteurs. Ils peuvent immédiatement utiliser leur papier comme ils entendent. Le diffuser largement partout et il est parfaitement accessible partout. Depuis le 1er janvier 2022, c'est là qu'on a changé. On est passé d'un modèle hybride à un modèle complètement ouvert. Pour les revues d'appui à l'innovation, j'appelle ça comme ça, mais c'est un peu... Une revue forestière française est un peu intermédiaire entre recherche, chercheurs professionnels, les sciences publiques, il y a la pointe publique, chercheurs et professionnels. Pour ce genre de revue, il faut aller très vite vers une plateforme de publication ouverte et commune. Et on essaie de la construire avec plus exactement Bordeaux et c'est de la construire avec le soutien. Et ça marche pas mal. Donc, si vous voulez créer un journal, vous pouvez très bien dire on vise d'abord ça. Il peut être indexé, il peut faire l'objet de tout ce qu'on veut derrière, et on peut aussi l'enrichir en certain nombre de fonctionnalités, mais il faut faire le boulot. Et ça, ce boulot, actuellement, il est fait par les maisons d'édition qui font ça. Et puis le troisième point, qui est très important dans cette stratégie, c'est de dire qu'on veut reprendre, plus exactement, les communautés scientifiques doivent reprendre le contrôle plus précis de la phase d'évaluation des contenus, et ça, la meilleure façon de faire. C'est un modèle type PCI, parce qu'il n'y a pas que les PCI. Tout à l'heure, dans le plan S, il y a les PCI, en tant que tel, parce que c'est une initiative qu'ils connaissent, mais il y en a 4 ou 5 autres du même type qui visent à faire de l'évaluation des contenus directement par les communautés. Et donc, cette troisième contribution, elle est très importante aussi pour une établissement communautaire, puisque derrière, il y a les postes, les dispositifs pour le faire. Voilà. Donc moi, pour conclure, je fais appel à la responsabilité collective des chercheurs. La responsabilité collective, c'est pas que individuelle. D'une part, pour produire de nouvelles connaissances fiables, reproductives et accessibles. Ça, c'est la base de notre métier, c'est notre la définition du métier de chercheur public. Mais aussi, ça c'est la fonction de production. Mais aussi pour participer de manière active au processus de validation et de certification des connaissances. Le métier de chercheur, s'il ne trouve pas un bon équilibre,
entre au moins ces deux processus, il n'est pas complet. Alors, ça ne veut pas dire qu'un jeune chargé de recherche doit passer autant de temps à faire une édition scientifique ou l'évaluation de papier qu'un vieux, briscard de la recherche qui a une grosse expérience. Hein, la fraction de temps consacrée à cette activité peut être assez variable, peut changer en fonction du temps. Mais moi, je recommande à tous les chercheurs, les plus jeunes, de commencer tout de suite à participer à l'évaluation d'activité. C'est extrêmement formateur et enrichissant pour le chercheur lui-même. Après, quand on est sollicité 10 fois par semaine, on ne voit plus les choses de la même façon. Mais il faut commencer par le faire. C'est extrêmement important. Donc, tous producteurs de manuscrits, ça fait partie de notre métier, de regarder le travail des autres. On n'est pas là que pour pondre des trucs. Et ensuite, si on se posait la question de à quoi ça va servir. Il y a toujours des gens pour l'évaluer, pour faire des retours. Et donc, il faut que la vie scientifique se maintienne dans cette communauté. L'importance de possible. C'est là que revient, dans le travail de Weber, il y a aussi une dimension d'intégrité scientifique, qui est mon vital sur lequel je n'insisterai pas ici. Et puis, c'est le cœur du métier, c'est plus de l'intégrité scientifique. Et ça, c'est des enjeux importants. Et puis, chaque fois que vous pouvez, alors vous pouvez aller dans une revue classique, hein, pas honte à parler de paramédicateur ou parapédicateur, en évitant peut-être certaines maisons d'édition, je ne m'en ai pas ici, vous avez vu, et puis être recommandeur dans une PCI, c'est la même chose. Être dans une communauté de chercheurs qui prend en charge le travail d'évaluation de ce qui est produit dans sa communauté, c'est absolument essentiel pour un chercheur. Aller dans une PCI existante, suffit d'aller sur le site des PCI, d'être candidat, vous avez quelques éléments sur le domaine de recherche qui sont activés, et puis vous êtes reconnu comme candidat, comme recommandé pour la société, les équivalents de l'unité pour la société. C'est bien, ça coûte pas grand chose. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de boulot, je peux vous rassurer, je ne serai pas noyé sur les manuscrits dans un premier temps. Peut-être que dans 10 ans, les choses vont totalement changer. Et puis le troisième point, quand même, que j'ai un tout petit peu évoqué tout au début, c'était faire évoluer les critères d'évaluation. Donc ça, c'est plutôt l'objet des établissements. Donc le CSS Inralé a fait un gros boulot de faire évoluer les critères. Par exemple, il y a un critère qui est venu là, qui est de dire, bah, nous, on ne regarde plus les papiers que vous avez publiés, on regarde plus 5 grand maximum. Et vous nous dites en quoi ces 5 papiers ont influencé les résultats. Quelle est leur importance? Comment vous percevez l'importance? De la même façon, le CSS ne demande plus, vous avez fait combien de reviews? Ils disent, montrez-nous en deux. Pour voir comment vous prenez en charge cette fonction. Donc, on va vers de l'évaluation qui est quand même plus qualitative, qui demandera plus de boulot aux évaluateurs. Mais qui est quand même plus intéressante que l'idée que, ben voilà, mon dossier, il est super bidon parce que j'ai 35 publications en 4 ans et je suis super content. Ou j'ai fait 68 reviews pour des tas de journaux. Mais sans savoir quel est le contenu. Voilà, ça c'est l'évolution des critères et tous les établissements de cette période dans le cadre de leur procédure d'évaluation. Puis la déclaration de droit. J'en arrive à la conclusion, j'ai déjà été très long, mais il fallait ça pour balayer. Donc la conclusion, c'est qu'on est dans une phase d'évolution rapide et efficace des outils de diffusion. La diffusion n'a jamais été aussi efficace, avec le regard de l'univers, c'est la diffusion. Donc, on est noyé sous l'avalanche de connaissances. Donc, c'est là qu'il y a besoin de repères. Les repères, c'est la communauté des outils. Et les dernières, ça, c'est complètement solide, c'est bien évalué, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un peu plus critique, et il y a des associations, c'est ce qui fait la recherche du scientifique. La deuxième point, c'est, ça nous oblige à faire encore plus qu'avant la distinction entre ce qui est de l'information, le sens, de ce qui est le résultat de la recherche. Je vais dire. Dans le temps, c'était pas compliqué. Il suffisait d'aller à la bibliothèque ici, par exemple, de machin, de consulter les revues. Dans les revues, il y avait moins les deux, les machins sont solides. Pas tout simple. Mais, théoriquement, que les trucs solides et tout le reste dans les journaux, c'était l'information. Maintenant, ça, c'est un mélange. En permanence. Donc, on a besoin de ça. Et puis, faut pas terminer sans dire que la science ouverte, c'est pas une révolution, c'est une évolution, mais
elle s'accompagne, cette évolution s'accompagne d'une exigence croissante d'intégrité scientifique. L'enjeu de l'intégrité scientifique devient absolument essentiel. Intégrité scientifique, c'est la qualité de ce que vous produisez, le fait, tout un ensemble de choses qui font que, on utilise des choses que quand on est sûr qu'elles puissent être reproduites éventuellement, quand on donne tous les éléments nécessaires pour faire la reproductibilité, on a des pratiques qui sont transparentes, que les auteurs d'un papier sont contribués de façon significative avec, en fonction de du contribution, que, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont absolument indispensables. Et ça, c'est indispensable parce que derrière l'enjeu, c'est la crédibilité de la science. C'est tout simple. Le flot d'informations qui existe actuellement conduit à une vitesse de la crédibilité de la science qui est devenue le mouvement duquel la vérité tombe. On a besoin de plus en plus de montrer que ce qu'on apporte au débat public est quelque chose de solide, de discuter, de valider, de reproductible, etc., etc. Donc ça, science ouverte sans intégrité scientifique, ça s'appelle, ça pourrait s'appeler l'Amazon de la recherche, de la communication scientifique. Pour ne pas donner de nom trop précis. Mais ça existe, c'est YouTube. C'est YouTube. Là, ce qui ne veut pas dire que YouTube, il ne faut pas l'utiliser. Tout à fait. Mais c'est de la communication scientifique. C'est pas il n'y a pas de pied de génie, il n'y a pas de prouver que c'est n'importe quelle information. Il faut le faire, il faut participer au débat scientifique, mais pouvoir participer au débat scientifique en s'appuyant sur des résultats validés, c'est autre chose que de participer au débat scientifique en venant simplement aux opinions d'experts, même de bons experts. Voilà. C'est ouvert à la discussion et merci encore pour votre attention et votre patience. Merci.